Bonsoir tout le monde. Alors, je suis présentement dans ma chambre d'amis, dans le sous-sol. Je suis là pour vous présenter comment est-ce que j'ai fait la table de Lego, juste ici, que je vais offrir à Rebecca pour sa fête. Alors, je vais vous expliquer un peu étape par étape comment j'ai fait ça. Maman! Quoi tu fais? Je sais pas, maman! Bye bye! Tu sais la fille là? Donc pour commencer, j'ai utilisé une table que j'avais déjà à la maison, donc pour faire un peu de récupération. C'est la table IKEA qui s'appelle LAC. Donc là en blanc, en brun, puis je pense en couleur bois. Donc meilleure grandeur de table pour faire ça. Donc voilà la table. Alors, on peut mettre sur la laque IKEA 3 plaques comme ça par deux, donc 3 par 2. Donc les plaques ici avec la pellicule 3M en arrière sont un petit peu plus hautes que les autres, que celles que j'ai mis la colle. Alors ceux-là, j'ai mis la colle. Donc une fois que j'avais tout collé, j'ai mis des poids, comme des poids et haltères par-dessus pour 24 heures pour que ça sèche. Et puis il me restait des plaques aussi, fait que j'en ai mis jusque en dessous ici. Pour coller les plaques de Lego, en fait, j'ai utilisé deux choses différentes. Donc, un kit que j'ai acheté sur Amazon avait déjà une pellicule 3M autocollante en dessous, ce qui est vraiment rapide et efficace. Donc, mes roses avaient déjà ça. Sinon, les noirs, on l'avait pas. Alors, j'ai utilisé la colle de construction, le page, la PL Premium, la PL 800, en fait, fonctionne très bien aussi. Donc, j'ai tout simplement étendu la colle en arrière des plaques. J'ai mis les plaques et j'ai mis des poids dessus pour que ça sèche. C'est compatible avec la marque Lego. Sinon, Walmart a une marque un peu comme No Name. Je ne me rappelle plus du nom exactement de la marque, mais ça fonctionne aussi. Noah, 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 Noah